Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur la chaîne. Donc la série va s'appeler Road to Eden Hazard comme vous l'avez vu dans le titre. Et donc comme vous l'avez deviné, c'est une série d'achat-revente qui va se consacrer. Donc on va essayer d'aller chercher donc Eden Hazard après avoir été acheté, a réussi à avoir Ibrahimovic en 5 épisodes. Donc j'ai décidé de faire cette fois-ci Eden Hazard. Donc on m'a proposé dans les commentaires ce joueur et j'ai trouvé ça assez intéressant de le faire. Donc actuellement sur le marché il vaut donc 130 000 crédits. Donc on va essayer de l'avoir assez rapidement. Donc une nouveauté sur cette vidéo, nouveauté sur cette série par rapport à l'autre, tout simplement au lieu de faire tous les deux techniques que j'avais fait la dernière fois, donc la technique pack bronze et la technique fut millionnaire, cette fois-ci je vais vous faire une technique par épisode. Donc vu qu'il y aura à peu près entre 4 et 6 épisodes, je vous prépare plusieurs techniques qui peuvent être très intéressantes cette année. Donc pour commencer, j'ai commencé avec donc 5000 crédits, donc j'ai décidé de faire la technique pack bronze parce que c'est celle que je maîtrise le mieux au tout début du jeu. Et vous allez voir qu'elle va marcher à merveille. Donc pour ceux qui ne la connaissent toujours pas, je vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Donc elle consiste tout simplement à aller sur le marché, sur la boutique, acheter des packs bronze à 400 crédits et revendre dedans tous les joueurs, les éléments club, tous les joueurs, les entraîneurs, les cartes rares et les cartes consommables, formes, entraîneurs, joueurs, plus soins et contrats rares. Donc voilà, c'est tout ce que je vous conseille de vendre. Après, des éléments club, les écussons rares, ça peut se vendre aussi. Voilà, vous n'hésitez pas à vendre un maximum de choses. Donc, remarquez d'ailleurs, quand je liste, hein, vous remarquez à peu près tout ce que je liste, c'est tout ce qu'il faut. Donc des joueurs, surtout il y a beaucoup de joueurs, ce qui est normal. De toute façon il y a 3 joueurs dans chaque pack, donc obligatoire, vous allez avoir obligatoirement au moins 3 cartes à lister. Donc c'est presque que du bénéfice. Donc cette technique, faut la faire quand vous avez à peu près en dessous de 10 000 crédits. Au-dessus de 10 000 crédits, je vous conseille de faire une autre technique qui peut vous rapporter beaucoup plus de crédits plus rapidement. Pour vous dire ça, j'ai dû à peu près faire 4 jours pour tourner cette vidéo. J'ai dû à faire à peu près une vingtaine de relances, voilà, pas plus. Et voilà, donc cette technique elle marche vraiment à merveille, n'hésitez pas à vous la faire. Et sur la deuxième vidéo, je sais toujours pas quelle technique je vais faire, mais on verra bien. Et vous allez voir que au niveau des crédits, bah ça va faire très mal cette technique. Donc vous allez voir qu'au début j'ai décidé d'ouvrir les packs avec vous. Après, ce que j'ai fait, c'est tout simplement c'est que j'ai listé et avec les crédits que j'avais sur la première fois, avec toutes les ventes, j'ai racheté des packs en fait jusqu'à ce que je ne pouvais plus, et j'ai tout listé, toutes les cartes, j'ai tous les gardé dans mon club. Comme ça après je vais tous les relister au fur et à mesure de mes ventes, et voilà, comme ça j'aurai plus besoin d'acheter, et puis à la fin de l'épisode on aura un bon bénéfice. Ne vous inquiétez pas, avec ces techniques on peut monter très 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 facilement et on peut arriver à 100 000 crédits très facilement. Mais bon, après faut avoir le temps et puis faut avoir envie de relister à chaque fois, ce qui est assez galère. Mais voilà, cette technique pour débuter elle marche très bien. Donc je voulais vous parler aussi, donc comme vous l'avez remarqué peut-être depuis dimanche, je sors, même samedi, je sors une vidéo par jour, donc j'espère que ça va vous plaire. Je fais au maximum pour tenir ce rythme, puis enfin je vais être en vacances à partir de la semaine prochaine, de vendredi soir. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, il ne restera encore plus que 2 jours normalement. Donc après je vais pouvoir largement tenir ce planning grâce aux vacances. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si cette technique vous plaît, si cette série va vous plaît. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis n'hésitez pas surtout à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis actif sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Surtout sur Twitter, mais rejoignez-moi partout les gars, ça fait plaisir d'être suivi. Et puis donc je voulais parler aussi donc du tirage au sort pour les 800 abonnés, le concours Road to Zlatan Ibrahimovic. Donc j'ai fait le tirage au sort, le gagnant a été actuellement contacté. Je ne peux malheureusement jouer qu'à partir de ce week-end. Donc le gagnant c'est très bien et on trouvera un moment pour jouer. Et je ne sais pas comment je vais tourner cette vidéo encore, mais soit je vais le faire en Skype et puis j'entendrai, soit je jouerai de mon côté. En tout cas,
cette vidéo sera diffusée sur ma chaîne. Donc après, au fur et à mesure, on verra s'il me bat ou pas pour relancer, etc. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, cette série, où je peux vous faire quand même gagner Zlatan, qui ce n'est pas rien, qui est actuellement dans les 130 000 crédits, je crois. Et puis après, donc là, vous pouvez voir actuellement à l'écran que je continue à faire, comme je vous l'avais dit, à relister les joueurs. J'arrive bientôt vers la fin. J'ai quand même une vidéo qui dure assez longtemps parce que le début est assez long pour monter les crédits. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît quand même. Et puis je voulais vous parler aussi des nouvelles séries qui vont arriver sur la chaîne. Vu que je vais pouvoir faire vu que je vous fais une vidéo par jour, des nouvelles petites séries assez cool qui vont arriver. Après, c'est peut-être des séries, ce sera plus ou moins série. Je vais sortir plutôt des petites vidéos comme ça. Je pense surtout à peut-être des player reviews qui vont arriver, des petites vidéos assez fun. J'espère que ça va vous plaire. Puis voilà, j'espère grimper bientôt, arriver assez rapidement aux 900 abonnés, puis aux 1000. J'aimerais bien passer ce cap avant les vacances d'avril, donc à peu près vers le début avril, mi-avril. Donc j'espère que ça va être le cas. N'hésitez pas à partager ma chaîne si ça vous plaît, n'hésitez pas à parler à vos potes, à tous, à vos familles, etc. J'espère que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à dire vos avis dans les commentaires. Et puis rien de spécial après à vous dire. Après, à part vous dire que voilà, cette technique fonctionne à merveille, je vais vous préparer une vidéo où je vais vous présenter ma technique qui marche le mieux pour moi, et je vais vous présenter un guide plus une liste pour la technique. Ce sera, comme vous l'avez deviné, la technique Fils Millionnaire, et je vais faire des listes pas que pour le championnat anglais, mais je vais faire le championnat français, etc. J'espère que ça vous allez kiffer, parce que grâce à cette technique, qu'est-ce qu'on peut se faire de crédit, surtout qu'elle est super simple. Franchement, il n'y a rien de plus simple, et n'hésitez pas à aller voir mes derniers épisodes de World to Zlatan si vous la connaissez toujours pas. Mais attendez ça, vendredi, cette vidéo sortira. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, on va arriver bientôt vers la fin de la vidéo. On va commencer en fait. Donc vu que les cartes ne se vendent plus, donc là on va relister on va relister pour les quelques cartes qui restent. Et vu qu'en fait tout simplement les cartes ne se vendent plus au bout de 5-6 mois des stages, j'ai décidé tout simplement de faire tout vente rapide pour commencer tout simplement une nouvelle technique aux prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que cette technique vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette série va vous plaire. Ce n'est que le début, et vous inquiétez pas, on va arriver à avoir hasard assez rapidement avec une vidéo par jour. Je peux vous dire que peut-être à la fin des vacances, on aura déjà hasard. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à dire vos avis, à me demander toutes sortes de choses sur l'achat-revente. Je suis pas un spécialiste, mais je me connais assez bien quand même. N'hésitez pas à vous me poser des questions, à tout ce que vous voulez, les gars. C'était A14, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bye tout le monde, les amis.